Eh bien, salut à tous les petits loups, j'espère vraiment que vous pétez la forme. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite, sauver le monde, et on est dans mon bouclier anti-tempête de Fontainebleau. On se retrouve pour l'épisode numéro 2 des duels de construction. Vous avez grave kiffé le premier, du coup on va remettre ça. Juste avant, je vous donne les scores qu'on a eu la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode à la fin de celui-ci, je vous invite à aller le voir. Alors, sur un total de 5000 votes, 88% ont voté pour moi, donc ça fait une très grosse majorité. 5% ont voté pour Starmise, 5% ont voté pour Gamerdoo et 3% ont voté pour la construction de Grizzly. Pour ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, le but est que chacun d'entre nous est placé à un endroit très différent. On se donne un but, quelque chose à construire, on a 5 minutes pour la construire et ensuite on passe sur chacune des constructions et c'est vous qui votez pour la meilleure construction. Dans l'espace commentaire, je vous mettrai un lien et même dans la description d'un vote en lien avec ma communauté, ça sera beaucoup plus simple pour moi que je puisse voir les votes. Et voilà, donc je suis en compagnie de Cédric, Merguez et Gamerdoo. Salut les gars. Salut. Salut tout le monde. Ok, alors aujourd'hui, la construction, tout le monde était déjà au courant avant, contrairement à... Enfin, on se met au courant un petit peu plus en avance. Alors, la construction d'aujourd'hui va être basée sur un volcan. Un volcan, on doit construire un volcan. Donc, à vous de gérer vos stratégies de comment vous voulez le faire, ok. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Ouais. À mon top départ, vous commencez les constructions et vous avez 5 minutes. Une fois que l'horloge aura retenti, vous devez impérativement arrêter sous peine d'être disqualifié. Je vous fais confiance, ok? Pas de problème. Vous êtes prêts? Donc 3, 2, 1, c'est parti! C'est parti, c'est parti. Alors, comment on va faire ça? Comment on pourrait faire ça? Comment on pourrait faire ça? Attends, on va faire ça comme ça. Ça fait le même stress qu'on a eu déjà l'autre coup. On sait pas ce qu'on va construire. On va faire ça comme ça. Cheval. Hop. J'ai fait quoi? Deux de l'autre côté. On va faire ça. Putain, moi je suis dans un trou, j'ai pas de place là. Bon, ça va être un modèle réduit mon volcan. Là. Ah bah tu te débrouilles, hein. Tu te démerdes. Tu te démerdes. Ah ouais, je pas bien. Tu te démerdes pour ton volcan. Moi je dis voilà, je vais porter plainte envers Volvic. Comment on pourrait faire ça? Attends. Hop, hop. Hop, ça fait un peu plus le cratère déjà. On va mettre ça comme ça. C'est dingue. Après, dans l'espace commentaire, contrairement à l'autre épisode, je vous demanderai de nous donner des idées pour nos constructions. Je vous demande de nous donner directement des idées de ce qu'on pourrait construire pour le prochain épisode, par exemple. Dites-nous un peu ce que vous voulez qu'on construise. J'aimerais pouvoir. Hop. Non. Ah, oh, je galère. On va faire ça comme ça. Moi, c'est mort. Là où je suis placé, il va être trop petit. Ensuite, hop. Ah ouais, non, je vais grave manquer de pierre. Je vais grave manquer de pierre. Bah, moi, j'ai pas de pierre. Je vais tout faire en bois. Oh là là. Je vais être mal sur la pierre. Je vais être mal sur la pierre. Il reste 3 minutes, les gars. Ah, j'ai plus de pierre. C'est fini. C'est fini pour moi. J'ai plus de pierre, bordel. Aïe. Coup dur pour Guillaume. Et j'ai pas de métal non plus, donc je peux même pas faire des trucs noirs, tu vois. Je peux même pas. Même pas, rien, nada. Nada. Construisons. On va faire putain, ça. Mais y'a de la place nulle part ici là. Hop. Oh, tant pis, je vais le faire là. C'est vrai. Ah, il m'en reste encore un petit peu. Hop, hop. Impossible. Comment on pourrait faire d'autres? Je vois pas. Je vois tellement pas comment on pourrait faire mieux que ça. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai pas d'idée, honnêtement. J'ai pas d'idée. C'est tellement de la merde en vrai. Mais j'ai pas d'idée là pour un volcan. Peut-être à la limite, il aurait fallu le faire un petit peu plus grand.
Ah, mais j'ai plus de ressources en plus. J'ai plus de ressources et tout. Combien de temps il reste? Il reste 2 minutes. J'ai plus de ressources là. Allez. On va peut-être dû me mettre en ressources avant de. J'aimerais pouvoir. Là, j'ai plus rien quoi. Comment on va faire? Comment on va faire? On va mettre des planches. Putain, franchement, finir mon truc en 2 minutes, c'est pas faisable. Je suis foutu! Hop. On va faire ça comme ça. Ouais, c'est bon, vous vous en sortez ou pas? Non, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. On va bien rigoler à mon avis, je pense, après. Je pense qu'on va bien rigoler. Je peux pas faire mieux que ça. Ouais, tu me fais quoi, toi? J'ai hâte de voir ce que vous avez fait, en fait. T'inquiète, c'est mon idée. Je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ça après. Il reste 1 minute, hein. Il reste 1 minute. C'est insane, ce que j'ai fait. Sérieusement? C'est très, très moche. Hein. Non. C'est très, très moche. On peut... Tu vois ça de loin, tu dis même pas c'est un volcan. Mais même pas. Même pas. Ça ressemble à rien. J'aurais même pas dû passer ma pierre à merguez, j'aurais peut-être gagné. J'aurais peut-être fait un truc plus beau que ça. J'aurais pas dû lui donner. Le pire, c'est que je l'ai même pas utilisé. Sérieux? Ouais. Donne-la-moi. Oh le bâtard. Donne-la-moi, vite. Vite. Donne-la-moi. Attends. Vite. Il reste 19 secondes, vite. Vite. Il reste 10 secondes. Faut que j'améliore ça là. Désolé. Vite, 3 secondes. Ouais, bah c'est bon, j'ai perdu. Putain, ils marchent même pas leur truc de construction. Je sais pas ce qu'ils ont fait depuis la mise à jour là, mais. Stop, j'ai fini. Stop. Putain. Stop. Tout le monde s'arrête. Alors. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ah ouais. Oh putain, y'a l'idée. Alors. On se donne tous rendez-vous devant le bouclier anti-tempête. C'est parti. Alors, nous allons commencer par visualiser la fameuse construction de Merguez-Uné. Expliquons un peu ta construction. Donc, en ce moment, on est tous partis sur exactement la même base. On va pas se mentir, la base est exactement la même. Ok, donc il a mis des sols rôtisseurs en bas avec des murs en bois et il a mis des sols rôtisseurs tout autour. Donc je pense qu'on est. J'aurais bien voulu faire en pierre, mais j'avais pas assez de pierre pour tout faire. Alors je préférais tout faire en bois. Okay. Ça, c'est mieux. Alors, vous allez voter 1 pour la construction de merguez, même si en soi c'est un peu compliqué de faire des choses différentes. Ok, donc ça c'est la construction de merguez. Where is ta construction, Cédric? Elle est là-bas, quelque part. Oh mon dieu. Wow. Alors ça. Wow. Ça, c'est la construction de Cédric. Cédric, je te rappelle qu'on était censé faire un volcan, pas un double volcan. Non, mais j'ai essayé d'en faire un, je voulais. C'était pas assez haut, j'ai voulu faire ça au-dessus et recouvrir lui d'en dessous, qu'on s'en fout complètement celui d'en dessous. Ah. Ignore-le, celui d'en dessous, il n'existe pas. Bon, je voulais le recouvrir, mais ce jeu à la con, ils savent pas faire une mise à jour potable et le truc de construction, ils déconnent. Mais calme-toi. Donc, du coup, on part sur une construction qui n'est pas terminée. Okay. Du coup, j'ai même pas eu le temps de le faire. Ça me rappelle le jeu là. qu'on faisait en primaire. Alors, ça, ah ouais. Si vous votez. Vous votez 2 pour la construction de Cédric si vous trouvez qu'elle est plus belle que celle que Merguez. Parce que Gamer 2, tu vas me dire qu'en primaire, tu jouais à un jeu où tu te mettais dans un trou et t'attendais. Oui. Mais non, mais le jeu avec le papier où tu devais. Je vois ce que tu veux dire, Gamer. Oui, je vois aussi. Alors, voici ma construction. Alors, je suis parti sur du full pierre noire avec des rebords sur le métal, enfin des rebords ici pour faire un petit peu le cratère et des sols rôtisseurs en bas et tout en noir, etc. pour faire penser qu'on était vraiment dans un volcan. Ok. Ensuite, j'ai mis des sols rôtisseurs pour faire penser que c'était la lave. Et du coup, comme j'avais plus de pierre, je voulais faire un dégradé. En fait, tu sais, quand la lave, elle avance vers la mer, etc. et compagnie, du coup, elle devient de moins en moins foncée. Et du coup, c'est le dégradé que j'ai voulu faire avec la pierre, sauf que Merguez m'avait chouré toute ma pierre. J'ai pas pu le faire. Du coup, je l'ai fait en bois. Donc, du coup, le bois là est beaucoup amélioré, ensuite moins amélioré, etc. etc. Donc, en gros, ça a fait une sorte de coulée de lave un peu de tous les côtés.
Voilà un petit peu pour ma construction. Et du coup, on est parti sur la même base à mettre des sols rôtisseurs tout autour. Voilà, donc si vous pensez que ma construction est meilleure, vous votez 3 dans l'espace commentaire et dans l'onglet communauté. Ensuite, nous avons la construction de Gamerdoo. Explique-nous un petit peu là. Ouais, il y a un flash. Ouais. Alors, comment vous expliquer? Bon, du coup, encore une nouvelle fois, on est parti sur la même base. Mais c'est pas un volcan, ça, c'est une fresque. Qu'est-ce que tu essaies de faire là? En sachant qu'il y a plein de volcans qui existent, ben, j'ai voulu faire un volcan sans cratère. Juste lave qui s'écoule par le haut. Une pyramide, quoi. D'accord. T'as pas compris le délire, quoi. Donc, du coup, après, on est parti tout. Et après, t'as refait exactement un contour avec des sols rôtisseurs pour faire le feu parce qu'on peut pas faire de lave. Et du coup, un flash mural sur le côté pour des faire des explosions ou des. La lave qui explose, des trucs comme ça. Okay. Tu es en couille dans ta tête, hein. Alors du coup, vous avez la construction de Gamerdoo, ici, vous votez 4. Si vous voulez voter pour ma construction, vous votez 3. Si vous voulez voter pour la construction de Merguez, qui est juste ici, vous votez 1. Et si vous voulez voter pour la construction de Cédric, qui est tout là-bas, vous votez 2. Vous votez pas. 2. Vous votez 2. Voilà un petit peu pour le nouveau duel de construction. C'était assez tendu, hein. C'était assez tendu, honnêtement, je savais pas quoi. C'était un peu tendu. Je pense qu'avec 10 minutes, j'aurais fait un truc plus grand, mais et plus de ressources aussi, je pense que j'aurais pu le faire. Mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Donc comme je l'ai dit, vous votez dans l'espace commentaire et dans l'onglet communauté, vous nous donnez des idées pour le prochain duel de construction. Qu'est-ce que vous voulez qu'on construise? Évitez de nous dire les lamas, les renards, etc. Parce que c'est des choses qui existent déjà dans Fortnite Battle Royale et dans Sauver le Monde. Donc c'est un peu facile de faire du copier-coller. Donc voilà. Là, en tout cas, merci à Gamerdoo, Merguez et Cédric d'avoir participé à ce duel. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 3. Sur ce, portez-vous bien et moi je vous dis à la semaine prochaine. Et bye tout le monde. Bye bye. Ouais.